C'est un gage en un an. Le français, quand il est vainqueur, vous sortirez tambour battant. Je te fais peur, grenadier? D'où sors-tu? Coigné. Je suis chez les morts. Depuis 3 jours, je suis chez les morts. Qui vive? Chef de la garde! Ne restez pas là, les Cosaques arrivent! Avec qui êtes-vous? Avec le rouquin! On est sauvés, Jean-Louis! Tu crois, Jean-Louis? C'est le maréchal Ney, l'arrière-garde! Seule? J'ai accouché le lendemain du bal. C'est une fille.
Je ne revis jamais Margot. Elle trouva un autre bon ami et nous laissa son cheval. L'empereur regagna Paris le 6 décembre et le 14, ce qui restait de la grande armée retraversa le Niémen. Les autres... Dans le jardin de mon père, fille de garce, qu'elles étaient fraîches les framboises. On allait cueillir les mousserons dans la rosée. Nous, on avait 50 châtaigniers sur les flancs de l'Aubrac. Brutus Agricola Dupont. Né l'an 1 de lune et indivisible. J'avais 20 ans, mon empereur. Il y avait 10 filles dans un pré, toutes les 10 à marier. Maman, maman, j'ai froid. J'ai tant froid. J'ai compris à Burgos, devant les 3 petits-enfants assassinés. Sire, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de votre majesté que le grenadier Mariani est tombé au champ d'honneur. Chemin des 500 000 hommes qui a franchi le fleuve Niémen. Jean-Louis. Oui, Jean-Roch. Qu'est-ce qui reste à l'ordinaire? 4 biscuits. Donne. Tiens. 2 pour toi. Et 2 pour moi. Les 4. Ouais. Oh, mon cheval. Mon bon petit cheval. T'es fatigué, je sais. Ouais. Tiens. Pas grand-chose. On a faim, nous aussi. Et c'est tout ce qui reste à la cantine. T'es fou, Jean-Roch. Fantassin. Sans lui, tu serais venu à pied, depuis Königsberg jusqu'au fleuve Oder. Grâce à lui, nous dormirons cette nuit dans une maison. Ça mérite bien un peu de reconnaissance, non? Cavalier. On m'avait bien dit que vous préfériez vos chevaux à vos femmes. Tais-toi, Jean-Louis. Tu déparles. Bien, mon lieutenant. Fais un effort, mon poulot. On arrive à l'écurie. Nous arrivâmes ainsi en vue de Magdebourg, et nous nous mîmes sous les ordres du prince Eugène. Toutes les portes nous étaient fermées. Nous nous rendîmes à l'hôtel de ville, nous nous débarrassâmes de nos loques, et je fis voir mes épaulettes et ma décoration. Nous remîmes nos uniformes en état, et nous nous fîmes remettre un billet de logement. Quand est-ce que je poserai ça pour ne plus le reprendre? Ouais donc. La valise de la ramée. Cette sacrée peau de veau a tué plus de soldats que le canon de Wagram. On sait bien, Jean-Louis. Tondu est à Paris pour lever une nouvelle armée. Faudra des officiers. Caporal dans la garde, 6 campagnes.
Tu passes automatiquement lieutenant dans la ligne. Ah oui? Ah, peut-être que je m'ennuierai de mon Azor. Ça fait 15 ans qu'il me suit partout. Gretchen, mocht dat Zimmer von meiner Seele für die 2000 zurück. Jawohl, Meister. C'est la chambre de mes deux fils. Les lits sont bons. Vous pourrez vous remettre de votre fatigue. Dankeschön. Et vos deux fils? Ils sont dans la grande armée aussi, monsieur. Ah. Ned, j'ai un service à vous demander. Je crois que j'ai un pied gelé. Oh, my God. Vous n'auriez pas un médecin qui puisse arranger ça? Bien sûr, monsieur. Martha! Ja? Bitte sei so gut, ruf Dr. Meyer, ja, viel. Doktor? Ja, gleich. Dankeschön. Vous faites vos comptes? Assurez-vous, je n'arrive à un franc pour me camarader pour moi. Ce n'est pas un livre de comptes, monsieur. C'est la Bible familiale. Et vous écrivez dessus? Voyez, plutôt. Elle fut imprimée à Leipzig 1630. Et depuis, elle n'est jamais sortie de la famille. Il y a toute l'histoire de famille Weber. Les naissances, les mariages, les décès, les événements curieux et bouleversants, les comètes, les grands orages, les guerres, les incendies, tout, tout, monsieur. Sans indiscrétion, c'est notre passage que vous écrivez ici? Pas encore. Janvier 1813. Cinq soldats français désertèrent de la Grande Armée se sont installés dans une maison sur la route de Freistadt après en avoir chassé les habitants. Le 30 janvier, ils volent un cochon au fermier Müller. 14 janvier, une barrique de vin au Gasthaus de la Schützenhaus. 15 janvier, Helga, la fille cadette de Schumacher. Le même jour, Fräulein Schmidt, modiste. Le 16 janvier, une vache dans l'étable de Müller, des sacs de farine chez Dreyfink, le boulanger, et Frau Dreyfink. Mais pourquoi les laissez-vous faire? Et après? Le 17 janvier. Un lieutenant, un caporal de la Grande Armée, m'a présenté un billet de logement. Logement. Je leur ai donné chambre de mes fils et j'ai fait demander le docteur Meyer pour soigner officier qui a un pied gelé. Voilà, monsieur l'officier, c'est tout. Mais pourquoi les laissez-vous faire, ces brigands? Pourquoi? Nos jeunes hommes sont morts dans la guerre. Et nous n'avons pas de fusil. Nous, on y va avec des faux, des fourches, des bâtons. On se défend, nom de Dieu. Le chemin de Freistadt. C'est où? Je vais vous y conduire, monsieur Leitner.
Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vous le docteur? Madame. Désolé, j'ai pas le temps. Tout à l'heure. Se lève et vienne près de moi. Die Damen sollen aufstehen und herkommen. Non, mes salauds! C'est avant qu'il fallait servir de ton fusil. À cette heure, il est trop tard. La fête est finie. Bouge pas, j'ai dit! Jean-Louis, surveille-moi ces gens en foutre. Une bonne démange. Tu peux y aller, lieutenant Poignet. Surveille l'assistance pendant que tu débarrasses la table. Lequel d'entre vous, mesdames, moi, se plaindre particulièrement de ces individus? Dois-je traduire, monsieur l'officier? Non. Sur une file! Vite! Choisissez vos cavaliers. Fire! Faire ça, enfin réfléchissez, pitié, lieutenant. Non, on a du monde en France, on a besoin de moi. Mon lieutenant, non, ne faites pas ça, pitié. T'as cassé leur fusil? Recta, ça va de soi. Au moins, écoutez, je ne suis pas ce que vous croyez. Mon lieutenant, je vous jure que j'ai jamais fait ça avant, je vous le jure. C'est la première fois, c'est la faute de cette maudite retraite. Sinon, on n'est pas capable de faire ça, voyons. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on décide, Jean-Roch? Ah, Jean-Louis, décider, c'est bien vite dit, il faut le faire. J'en ai assez de voir tuer, de tuer. J'en ai assez de faire ce métier que j'ai pas choisi. Assez, assez. Alors, foutez le camp. Foutez le camp, je vous fends la gueule. Et ne retombez jamais entre mes mains. Jean-Roch. Ce qui te manque, c'est une vinaigrette. Si ça t'amuse, ça me fait pas sourire.
Man müsste eine Erdbeerkompresse machen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce n'est pas grave, mais il faudrait une compresse de fraises. Ah ben, c'est bien le moment. Schade, dass es jetzt nicht Frühling ist. Qu'est-ce qu'il dit? Pareil. Ich habe aber doch Erdbeermarmelade, Herr Doktor. Na ja, das kann schon gehen, ja? Grüße. Ja, ma femme a un bocal de confiture de fraises et le docteur Maher pense qu'il se peut aller. Aber man muss das im Frühling dasselbe wieder machen, ja? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faudra au printemps recommencer. Recommencer? Recommencer. Et le troisième est un de corne, de sa tête, il a pris la forme.